C'est une très vieille histoire de soupe. La mère des mondes l'avait préparée jadis pour nous dans son grand chaudron. Pommes de terre, sapins, éléphants, lacs, nuages, gazelles, mimosas, cascades et petits de femmes et d'hommes. C'était une sacrée soupe. Toujours en ébullition, jamais en place. Et à chacune et à chacun d'entre nous, la vieille avait servi un bol à rabord. Mais on n'a pas fait gaffe. Chacune et chacun avait la tête dans son propre bol. Moi. On a laissé les nuisibles remplir le chaudron de la mer des mondes avec des corps étrangers, des peurs, des croyances, des ondes, des armes et des tas de ferrailles. Comme on n'était jamais rassasié, la mer des mondes n'avait pas le temps d'écumer les choses indigestes. On se servait nous-mêmes, versant dans nos propres bols n'importe quoi, n'importe quelle absurdité, sans rien vérifier ni discerner. Imaginez un peu le fourbi entre nous et nos âmes, entre nous et tous les animaux, entre nous et les arbres, entre nous et nous. Alors, on fait quoi? On fait quoi pour aider la mère des mondes à rajeunir sa soupe? Pour l'aider à sortir toute cette noirceur? Aller dans la forêt pour cueillir des écumoires. C'est ce que disent les sages. Déjà, jeter le fatras de son propre bol. Toutes les vieilles peurs. Et reverser ce qui sera sauvé dans le grand bouillon du collectif. Que la mère des mondes puisse le partager. Un bouillon de paix et de santé pour le monde entier. Avec ses pommes de terre, ses sapins, avec ses éléphants, ses lacs, ses nuages, ses gazelles, ses mimosas, avec ses cascades et ses petits de femmes et d'hommes. Alors allons cueillir les écumoires. Faire chauffer nos bols à la flamme de notre propre courage. Jeter le fourbi, flotter nu sous l'orage. Pour que cette histoire de soupe finisse en beauté. Thank you.